Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue chez Isawatt pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juillet 2022. Je vais effectuer ici le tirage pour le signe de la balance. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, amis balance, que vous vous apprêtez à profiter de ce bel été. Je vais commencer cette guidance donc avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Restez bien jusqu'à la fin si vous le voulez bien, car j'ai une petite communication à vous faire et je ferai ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour les balances, mais également ascendant balance. Lune en balance, Vénus en balance. Quelle énergie générale pour ce mois de juillet? Eh bien, oui, celle-ci. Oh, magnifique! Vous avez le soleil, les amis. Le soleil. Bon, alors pour ceux qui regardent un petit peu les tirages de cartes sur YouTube, je pense que vous savez que c'est... une magnifique, magnifique arcane pour commencer ce tirage. De la joie, du bonheur, de la chaleur, une union, pourquoi pas. Voilà, c'est l'arcane la plus lumineuse du tarot de Marseille. Donc, il faut s'attendre pour les balances à un mois particulièrement lumineux, chaleureux, ensoleillé. Sans parler météo, bien sûr. Hein. Et évidemment, avec ce soleil, on peut aussi, comme je le disais, nous parler eh bien, d'une union. Alors, je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawatt, que vous connaissez maintenant. Alors, toujours disponible à la vente sur mon site internet, mais il ne m'en reste plus que quelques exemplaires. Moins d'une vingtaine, donc je pense qu'ensuite je le ferai réimprimer, mais si vous souhaitez l'acquérir rapidement et l'avoir rapidement, eh bien il faut pas trop perdre de temps parce qu'il ne m'en reste presque plus de cette impression là en tout cas. Voilà, allez pour les balances juillet s'il vous plaît. Voilà une première ligne. Hop, je m'installe confortablement. J'espère que vous êtes confortable aussi. Et c'est parti. Waouh, l'œuf de la nouveauté pour les balances sur ce mois de juillet. Une grande nouveauté. Quelque chose qui était peut-être en gestation, qui couvait peut-être depuis un certain temps. Mais qui là, a priori, devrait éclore sur le mois de juillet. Donc, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne pour certains, un nouveau projet commun ou pas pour d'autres. Ça va sans doute être un petit peu différent entre les uns et les autres, mais là, on est parti sur une énergie vraiment complètement nouvelle. Ça peut être un tout petit peu perturbant parce que, effectivement, si... on est soumis à quelque chose de complètement nouveau, un mode de fonctionnement complètement nouveau, un type de personne complètement nouveau. Ça peut être un petit peu perturbant, mais ça reste quelque chose de très très positif. Nous avons le message, une communication qui arrive à vous, un message qui arrive à vous, plutôt écrit, donc hein, comme il est indiqué sur la carte. Donc une lettre, bien sûr, un SMS, un mail, que sais-je. Il y a comme ça un vent de nouveauté qui vous arrive notamment par le biais d'une communication avec quelqu'un. Si certains étaient dans l'attente d'une communication, eh bien c'est une attente qui pourrait être satisfaite sur ce mois de juillet. On peut avoir aussi ici... une toute nouvelle manière de communiquer
avec les autres, avec la personne de votre cœur, plus précisément. Allez, je continue. Le chien, bien. On nous parle ici de fidélité, d'un lien entre deux personnes. Ça peut être entre deux amoureux, entre deux amis, hein. Mais ce lien est extrêmement fidèle. Si on a affaire ici à une personne, eh bien cette personne, voilà, a quelque chose d'extrêmement stable dans ses attachements, n'est pas du tout versatile. On peut nous parler ici aussi, eh bien, d'une amitié qui, sur ce mois de juillet, pourrait prendre un nouveau tour en se transformant progressivement en quelque chose de beaucoup plus amoureux que amical. Et la vibration, très présente cette carte de la vibration, pour l'instant, en tout cas dans les tirages de juillet. Donc il y a quelque chose d'assez énergétique dans cette première ligne, donc avec cette carte de la vibration. Il est question de votre propre vibration, bien sûr, peut-être celle de la personne qui occupe vos pensées également. Donc déjà, on vous conseille de faire attention à ce que vous vibrez autour de vous dans l'univers. Donc si certains jours vous vous sentez dans des énergies un petit peu plus difficiles, un petit peu plus négatives, eh bien attention de ne pas rester trop longtemps. On peut se l'accorder, hein, on a droit de temps en temps à des coups de mou, mais ne restez pas trop longtemps dans des vibrations basses. Essayez autant que faire se peut d'aller chercher des énergies de joie, des énergies un petit peu légères pour rester dans une vibration assez élevée. Et on peut nous parler ici donc d'une forme de lien entre deux personnes qui va prendre un tour nouveau, qui était peut-être amical jusqu'à présent et qui va là va se développer en autre chose. Et le lien entre ces deux personnes est avant tout énergétique. C'est-à-dire que peut-être ces personnes se plaisent, mais ce sont leurs vibrations qui se plaisent. Peut-être pas forcément les corps. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle précisément. Mais là, on a un lien qui est spirituel, vibratoire, entre deux personnes. Et ce lien pourrait eh bien, revêtir un caractère complètement nouveau, grâce, entre autres, à une communication. Alors, pour les célibataires, hein, pour de bon, là, il pourrait y avoir quand même une grande nouveauté qui interviennent dans votre vie. Comme je le disais, probablement un type de personne que vous n'avez jamais fréquenté jusqu'à présent, ou qui même ne vous avait jamais attiré jusqu'à présent. Mais là, il va y avoir quelque chose d'extrêmement vibratoire entre vous et cette personne. Allez, je vais continuer. La lady, bon, il y a bien pour un certain nombre d'entre vous, ceux qui n'êtes pas déjà dans un couple établi, hein, et peut-être aussi pour certains qui sont déjà dans un couple établi, pardonnez-moi, mais ici, il y a quand même une nouvelle personne qui intervient dans votre environnement. Donc, la lady peut être remplacée par le gentleman, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Et il y a ici, voilà, une grande nouveauté par le biais d'une personne. Cette personne nous est présentée comme sincère, honnête, le cœur sur la main, est prête à offrir son cœur, à vous offrir son cœur. Donc là, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment une idée de renouveau dans ce couple quelque part, sans doute grâce à de la communication notamment. Et pour les célibataires, eh bien, il pourrait y avoir une rencontre ici. Il pourrait y avoir aussi, comme je le disais, une amitié qui se transforme en amour également. Bon, et ceux qui sont déjà en couple ne sont pas à l'abri
de croiser une nouvelle personne complètement différente de la personne avec laquelle elles partagent leur vie, qui pourrait les perturber un petit peu, hein, on va dire ça comme ça. Bon, les premières lignes qui sont quand même lumineuses, comme notre soleil, on est bien sur le thème de l'union. Le veau d'or, alors, il y a besoin de cette communication, de ce message entre différentes personnes, notamment pour essayer de mettre à plat, de mettre au jour les croyances limitantes qui peut-être pourraient freiner le développement de cette relation ou voilà, ou quelque chose comme ça. Donc on a toujours un peu un petit travail à fournir pour libérer ces croyances limitantes. Pour certains, il n'est pas impossible que l'on vous propose une forme d'exercice. Je m'explique. Ici, avec cette carte de l'œuf, on nous parle de rencontrer une personne qui soit très très différente des personnes que l'on a pratiquées jusqu'à présent, très différente probablement des personnes qui nous avaient attirées jusqu'à présent. Et là, on rejoint ces idées de croyances limitantes, c'est-à-dire que on pourrait vous proposer pour certains l'exercice d'être attiré, je sais pas moi, par un grand brun ou une grande brune, alors que jusqu'à présent vous n'aviez été attiré que par des petites blondes. Alors c'est un peu caricatural hein, ce que je dis, mais je pense que vous comprenez le message. Hein. Je pense qu'on va vous proposer de vous détacher. Donc pour ceux qui sont dans le cadre d'une nouvelle rencontre, on va vous proposer de vous détacher d'un certain nombre de présupposés que vous avez en tête sur la personne qu'il vous faudrait ou la personne que vous recherchez ou les personnes susceptibles de vous plaire. Alors, je continue. Wow, mais en plus c'est chaud, hein? En plus c'est hot, puisque nous avons la Kundalini qui intervient, qui nous parle de sexualité, hein, qui nous parle de sexualité épanouie, plutôt satisfaisante a priori. Mais là, évidemment, hein, sur cette carte du chien, elle est assez intéressante, puisque pour un certain nombre d'entre vous, il va bel et bien être question de sexualité dans une amitié. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que peut-être pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une amitié eh ben, qui bascule hein, dans autre chose de beaucoup plus charnel. D'accord? Peut-être aussi avez-vous des croyances limitantes en termes de sexualité à devoir peut-être dépasser, surmonter, je vais dire, sur ce mois de juillet. Hein. Ami Balance et l'abondance, waouh! Waouh, waouh! Bon, alors, c'est vrai qu'avec le soleil, on avait quand même une idée d'un mois plutôt lumineux, mais alors là, bon, il est quand même question de belles nouveautés, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, d'une sexualité épanouie. On arrive a priori à dépasser certaines croyances limitantes et on reconnecte avec une forme d'abondance. Alors, abondance financière, pourquoi pas, mais abondance d'émotions, de sentiments, avec en plus cette notion un petit peu d'allègement avec cette carte. Bon, on est vraiment dans des énergies très très jolies là, sur ce tirage des balances pour juillet. Alors, j'espère que la troisième ligne ne va pas se gâter parce que ça peut arriver quand on sort plein de belles cartes dans un premier temps, ça peut se gâter un petit peu derrière. Alors, et la méduse, un petit inconfort. Alors là, j'en reviens bien évidemment
à cette notion d'être confronté à quelque chose de tellement nouveau que peut-être on pourrait être un petit peu, voilà, un petit peu inconfortable dans la situation. Là, je pense que c'est une réaction quelque part à cette nouveauté, hein, que ce soit une nouveauté au sein d'une relation ou pour nos célibataires, une nouvelle personne qui intervient. Et évidemment, pour ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont déjà en couple, mais qui pourraient croiser une nouvelle personne sur ce mois de juillet, évidemment, c'est le genre de situation qui m'est inconfortable. Donc voilà, il n'y a pas besoin de lire cette carte sous tout, dans tous les sens. Et l'autre, ah bah oui, ok, merci. Donc il nous confirme qu'un certain nombre de balances déjà en relation pourraient croiser une autre personne dans ce courant du mois de juillet. Là, je ne pense pas, si vous voulez, qu'on nous parle d'une triangulaire, puisque l'autre est la carte de la relation triangulaire. Je ne pense pas ici qu'il soit question pour les balances de subir une triangulaire. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez vous retrouver un petit peu entre deux chaises, comme ça, d'où cette idée, pardonnez-moi, d'inconfort. Et il y a sans doute un travail qui va se faire là sur ce mois de juillet pour vous en lien avec la notion de fidélité. Puisque nous avons quand même le chien aussi qui nous parle de la fidélité. Hein. Donc là, il me semble que un certain nombre de croyances limitantes en lien avec la fidélité vont devoir être travaillées sur ce mois de juillet, ou en tout cas vont peut-être s'imposer à vous, hein, en tant que questionnement. Donc voilà. Mais encore une fois, pour bon, je ne pense pas que ce soit vous qui, entre guillemets, subissiez cette triangulaire. Oui, puisqu'on reste malgré tout eh bien, dans des énergies de joie. D'accord ? Alors, si je ne me souviens pas, vous avez... si je ne me souviens bien, pardon, oh là là, ces deux cartes ici sont les mêmes que pour le tirage des Sagittaires, si je ne me trompe pas. Cette carte de la joie, bon, pour ceux qui vont hésiter peut-être à devenir amant ou maîtresse d'un de leurs amis, eh bien, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va être plutôt voilà, sympathique, agréable, joyeux. Et plus globalement, eh bien, on a ici des balances qui, sur ce mois de juillet, bien qu'il y ait comme ça des choses à gérer, hein, quelque part, une nouvelle personne ou des questionnements au sujet des croyances limitantes, voilà, malgré tout, on reste vraiment sur un mois très joyeux, hein. Connexion à la joie de vivre, quelque chose de lumineux. On est vraiment pour de bon dans l'énergie du soleil, hein, et du soleil dans le bon sens du terme. De la joie, de l'abondance. Allez, une dernière carte. Et le risque. Ah, ah, le risque qui arrive au bout. Le risque qui arrive au bout. Et oui, je pense qu'il y a un petit risque sur ce mois de juillet que vous allez aborder. Le cœur léger, j'ai l'impression, l'esprit léger quand même en tout cas. Un petit risque, bien sûr, que ce soit une amitié qui se transforme en amour, que ce soit des personnes en couple qui vont, eh bien, comment dire, voir naître une forme de nouveauté au sein du couple. Que ce soit les personnes qui fassent une nouvelle rencontre ou les personnes pas libres qui malgré tout croisent une nouvelle personne, eh bien dans tous ces cas-là, il y a un risque. Et oui, de toute façon, faire un pas, c'est déjà prendre le risque de la chute. Donc, malgré tout, ça va quand même être à vous, hein, voilà, de faire le choix. Est-ce que je prends ce risque et est-ce que je ne prends pas ce risque ?
Mais je n'ai quand même pas le sentiment avec ce tirage que le risque soit majeur, hein, puisqu'on reste dans des énergies joyeuses, lumineuses. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Le fric, bon, peut-être quelques petites problématiques matérielles et financières pour certaines balances sur ce mois de juillet. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas trop avec la carte de l'abondance. On nous dit quand même clairement que c'est une problématique qui sera très très passagère, très ponctuelle. Peut-être des questionnements au sujet d'un lieu de vie, par exemple aussi, pour certains, hein. Il y a de la nouveauté ici. Peut-être qu'on aura envie aussi de changer de lieu. Voilà. Bon, je vais m'arrêter avec cette carte pour ce jeu-là, en tout cas. Et je vais maintenant demander au tarot de Marseille deux petites cartes pour vous. Donc la carte qui va nous parler de votre point fort, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer hein, sur ce mois de juillet. Et puis évidemment la carte inverse, il y en a une qui est retournée dans le paquet. Hop. Si elle a envie de ressortir, elle pourra très bien le faire. Allez, le point fort pour les balances, sur quoi allez-vous pouvoir vous appuyer sur ce mois de juillet? Ah, c'est intéressant ça. Nous avons le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, finalement, nous parle d'une forme de renoncement. Le 5 d'épée, il s'est battu longtemps pour une cause ou pour un projet ou pour faire perdurer quelque chose, avant de se rendre compte que finalement, eh ben, il était un peu seul à se battre et que eh ben, finalement, il jette l'éponge, en quelque sorte. Il renonce à son combat. Et là, pour les balances, je pense que le renoncement essentiel, c'est en lien avec les croyances limitantes. Hein. Renoncer aux croyances limitantes qui vous disent que c'est impossible de transformer une amitié en histoire d'amour. Renoncer aux croyances limitantes qui vous disent que la femme qu'il vous faut, elle fait 1,80 m et elle est rousse. Enfin voilà, ce genre de choses. Il y a comment dire, une façon de voir les choses, une posture quelque part intérieure à laquelle vous allez être invité effectivement à renoncer sur ce mois de juillet. Vous allez peut-être devoir renoncer à une certaine idée de la fidélité aussi. Et le point faible, ah tiens, le 8 de bâton. Alors ici, on peut, et c'est peut-être en résonance avec cette carte du risque d'ailleurs, avec le 8 de bâton en énergie négative comme ça, on pourrait se sentir un petit peu bousculé. On pourrait se sentir un petit peu précipité. Avoir l'impression que les événements nous dépassent, vont trop vite, qu'on n'a pas le temps de se retourner, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, ça rejoint un petit peu peut-être cette sensation de risque. Là, visiblement, en juillet, vous n'allez pas avoir le temps de tout analyser, de réfléchir, de vous poser, de vous retourner. Vous allez avoir comme ça cette impression de vous faire bousculer quelque part par les événements. Donc, bon, c'est pas trop sérieux comme énergie négative, ça risque juste peut-être effectivement d'attiser cette sensation de risque ici. Bon, si vous sentez cette forme de pression à un moment donné, là, essayez de prendre un petit peu de recul. Avec cette 8 de bâton aussi, j'ai l'impression qu'un certain nombre d'entre vous pourraient avoir le sentiment en juillet eh bien que les choses alors que les choses vous échappent, ça je l'ai déjà cité, mais comme si vous aviez posé une action et que finalement derrière cette action et eh ben tout vous échappe quoi. Cette action a des répercussions en chaîne qui à un moment donné ben, vous échappent complètement.
Bon, ça peut être inconfortable, effectivement, comme sensation, mais je ne pense pas que ce soit trop difficile, trop insurmontable. Si vous ressentez ça, et bien essayez de vous asseoir au calme, ne serait-ce que 5 minutes. Hein, on fait de grandes respirations pour essayer de se vider un petit peu de la pression. Allez, je vais demander maintenant un tout dernier message pour les balances de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil? Un message ou un conseil? Bon, je vais le prendre hein, puisqu'il s'est retourné et que c'est mon ami El Moria. Avec purifier et protéger votre énergie. Donc n'hésitez pas à demander protection, bien sûr, à vos anges, à vos guides, si vous en ressentez le besoin. Et voilà, purifier vos énergies. Comme je le disais il y a 2 minutes, prendre le temps de faire une petite pause méditative pour se réaligner. Faire un petit exercice d'ancrage dans la nature, faire des douches en conscience, des bains, ce genre de choses, des soins énergétiques, pourquoi pas, si ça vous parle, enfin voilà. Il y a besoin, visiblement, sur ce mois de juillet, de faire une petite purification, de faire une petite protection. Alors, peut-être que c'est justement ce que vous allez vous sentir un petit peu bousculé par les événements finalement. Donc voilà, n'hésitez pas à demander protection à El Moria, pourquoi pas, bien sûr, mais aussi à vos anges, à vos guides, vos chers disparus. Voilà, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez également, bien sûr, consultez les tirages de vos signes ascendants lunaires en Vénus. Et ce que je voulais vous dire comme petite communication, c'est que d'habitude à ce moment-là j'embraye sur le fait de proposer mes services pour les guidances personnalisées, et il se trouve que à cause d'un souci personnel, je vais être dans l'obligation de faire une pause. Donc j'ai bloqué mon agenda, tous mes rendez-vous pour les consultations privées. C'est bloqué jusqu'à fin juillet pour l'instant. J'espère, mais je ne suis pas sûre, pouvoir reprendre vers la fin du mois de juillet. De la même manière, je ne suis pas sûre d'être en mesure de vous proposer les tirages mensuels du mois d'août. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais d'avance, je m'excuse pour cette absence. Je sais que déjà en temps normal, il y a un peu de temps d'attente pour obtenir une consultation avec moi. Et là, forcément, ce temps d'attente va en être encore plus rallongé. Donc voilà, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement. C'est une pause forcée, une pause obligée. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois de juillet, les balances. Je pense que ça va être le cas avec tout ce soleil et cette joie. Donc, beau mois de juillet, je vous embrasse tous et j'espère à très bientôt. Bye bye.